Ouais, il va voir cette flingue de merde là. C'est quoi ce que j'ai chopé là? Bon, il est où ce temps pas fait? Neuf% de sa barre de santé, c'est en pas fait. C'est con, parce que là je me suis planqué comme lui. C'est bien, il bouge plus, il ne fait plus trop chier. Maintenant je l'allume comme un lapin.
Allez, 11%. Allez, on est enfin bonne nuit, Dadam. Smasher. Qu'est-ce que t'en dis, Johnny? Il est bon pour la casse, ce tas de merde. Je suppose qu'on peut en rester là. Hé, Smasher, essaie pas de te relever, sale tas de ferraille. Oh, je suis lourd comme une barrique. Ah non, j'étais. J'ai cru. Allons dans le bureau de l'autre zouave, là. Alors, sa soeur est pas bougée en attendant qu'elle ait. Ou sa soeur est la soeur que. Hop. Elle sera là. Dans une seconde. D'ici là, je dois vous surveiller alors. Me faites pas un coup de pute. J'essayerai quoi? J'ai déjà tout essayé. Il me reste plus rien. Ouais. Ça. Vous en aurez pas besoin. Il ne reste qu'une balle. Elle n'est pas pour vous. Regardez. Que voyez-vous? Un type qui a perdu. Rien qu'un seul? J'en vois des millions. Kyoto. Dubaï. Paris. Ces gens avaient une chance aujourd'hui, qu'ils n'ont pas saisi. Une chance? Une chance de quoi? D'oublier leur peur. Ça n'a aucun sens. Non. La peur. Aussi loin que je me souvienne, je dois leur reconnaître une chose. Il savait inspirer la peur aux gens. Saburo. Un jour, il m'a dit, toute chose de valeur n'est qu'un drapeau flottant au vent. Et que le vent, c'est la peur. Ensuite, vous savez quoi? Il m'a soufflé au visage. C'est la seule fois où il a eu tort. Mais les autres? Ça marchait. Ils avaient peur de lui. Tout à l'heure, vous avez vu des imbéciles terrifiés par un mort qui part dans une boîte. Pathétique. J'aurais pu changer ça. Sans votre intervention.
Pauvre débile. Et dire que vous avez eu un jour l'audace de diriger votre propre gang, et que vous avez tout laissé, vos rêves, vos idées, tout ça pour le pouvoir. Le pouvoir? Vraiment? Le pouvoir? Il y a 50 ans, une bombe terroriste a détruit cet immeuble. Ouais, j'ai appris ça. Et on a gagné quoi? Pas grand chose. Rien du tout. Mais j'ai bien compris. Si poser des bombes ne suffit pas, que peut-on faire? On peut devenir la bombe. Hanako. Nissan. Je vous remercie, Bé. Ce sera tout. Elle, pas si vite. J'honorerai ma part du marché. Vous partez avec Hellman. Et vous? Je dois rester auprès de mon frère. Venez, allons nous occuper de votre problème. Destin bien ironique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Passer toute sa vie à combattre une chose, pour finalement devenir cette même chose. Littéralement. On dirait que ça sent la fin de Cyberpunk, les amis. Dans la mode histoire. Donc là, je marche dans le néon absolu. Et je me dirige vers la lumière. Que va-t-il m'arriver? Sera une surprise. Les amis. Désolé pour les yeux. Ah, au loin on dirait Johnny. Ça a marché. J'ai réussi. Johnny, Hanako a tenu parole. Quand je te vois comme ça, ça me rappelle notre première rencontre. Je vois encore le merc à la petite semaine. Le voleur à la manque, avec la tête dans les nuages. T'as pas changé d'un poil. Si j'ai changé... Oh, V. Tu pourrais arrêter... de faire ton connard en deuxième chance. Je crois plus que mon petit numéro est super rebelle seul contre tous. Prends celle-là. Ce V-là serait jamais arrivé jusqu'ici. Il n'aurait pas survécu. J'ai dû devenir plus fort. Et j'ai réussi. Peut-être. Mais ce V-là supportait pas la trahison. Attends, c'est ça que tu penses? Que je t'ai trahi? Non. Pire, tu t'es trahi toi-même. Mais non, je n'ai pas trahi moi-même.
Bah, il est où? T'as pas le droit de me juger. C'est là que tu te gourres. La biopuce a fait bien plus que fusionner nos souvenirs. La ligne qui séparait V et Johnny Silverhand, elle a disparu, et il y a longtemps. Et tu crois que ça te donne le droit de me parler sur ce ton? C'est moi, le V, qui pleure notre pote Jackie. Le V qui en veut à mort à Brigitte. Je suis le seul à en avoir gros sur la conscience. Et toi, tu sais qui t'es? Bop. Je suis le V qui a choisi de vivre. C'est la même volonté qui m'a poussé toute ma vie. Ça et deux principes. Ne jamais regarder en arrière et ne jamais regarder les gens qui m'entouraient. Toujours avancer, regarder droit devant et contempler la mort dans les yeux. Tu n'es pas le seul rebelle ici. Et je suis pas le seul à être passé à côté de ma vie. On est une toile enchevêtrée, toi et moi. On fait plus qu'un. Alors si t'es venu me dire quelque chose, c'est que t'as besoin de l'entendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, les amis? Alors... Je voulais juste partir en souvenir d'un bon vieux temps. Je veux quitter le machin... Je vais tout expliquer. Le chemin s'arrête ici. Je te dis adieu. On n'a plus rien à se dire, toi et moi. Alors, les amis, qu'est-ce que je vais prendre? Vous me direz, vous, ce que vous avez pris, vous, dans les commentaires, les amis. Moi, je vais aller prendre le petit premier. Je voulais juste te parler en souvenir d'un bon vieux temps. Je voulais juste te parler une dernière fois en souvenir du bon vieux temps. Ok, je t'écoute. Écoute, je suis sur une table d'opération en train de me faire charcuter. Les médecins d'Arasaka retirent la puce au moment où on parle. Tu savais que ça finirait comme ça. Que le jour viendrait où je voudrais redevenir normal. Et récupérer ma vie. La normalité, c'est surfait. Si tant est que ça existe. Ils sont en train d'extraire un morceau de nous. Et ça laissera un vide à jamais. Alors, se lever, cela et machin. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, les amis? C'est vraiment ce que tu voulais. Se lever, c'est que je pouvais faire d'autres. Il n'y a pas que nous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Respecter tes principes. Faire preuve d'un truc appelé loyauté. Si ta paranoïa te pousse à penser qu'ils vont te jeter dans une autre prison d'Arasaka, t'en fais pas. Ils vont t'effacer. Ah, tu comprends pas, décidément. Ça a rien à voir avec Arasaka, ni avec la vie ou la mort. Alors ça a à voir avec quoi, Johnny? Éclaire-moi. C'est une question de principe, V. Ça l'a toujours été. Tu peux remplacer toute ta viande par du chrome, vivre un fantasme en déesse, peu importe. Au final, c'est le code selon lequel tu vis qui définit qui tu es. Si tu te perds, il te montre la voie. Si on te taille en pièces, il recolle les morceaux. C'était ça ta devise de rocker boy? Ta vision de l'époque? C'est une chose que j'ai apprise de V. L'ancien V. Alors, adieu Johnny. Un de ces quatre, Johnny. Merci pour tout. C'est vraiment ce que tu voulais. Dégage de ma vie. Oh, les amis. Quel choix je vais bien prendre, à votre avis? Allez, moi je vais prendre... La numéro 2. Alors, t'attends quoi? Un de ces quatre, Johnny. Ça sert à rien de s'éterniser. Un de ces quatre, Johnny. Et merci.
pour tout. Si t'avais pas été là, je serais mort depuis longtemps. Plus d'une fois. Adieu, Johnny. Tu te souviens de la question de Dex ? Une vie paisible ou une mort spectaculaire ? Je m'en souviens. T'as fait le mauvais choix. Dommage. Pas grave. C'était mon choix. Qui plus est, de nombreuses fonctions cérébrales sont toujours inactives. Les impulsions neurales ont été redirigées vers le processeur neural. Une mesure temporaire. Quand pourrez-vous me fournir un rapport complet ? Je vous l'enverrai à la fin de la semaine. Alors, ils m'ont foutu où ? Je vous félicite encore pour cette réussite. Au revoir. Préparez la chambre du patient. Oh. Qu'est-ce que. Où est Johnny ? Le construct a été supprimé de tous les engrammes. Vous êtes à nouveau sain d'esprit. Donc ? Nous l'avons effacé, comme convenu. J'entends... du violet ? Qu'est-ce que c'est ? Synesthésie temporaire. Nous avons dû créer plus de synapses dans votre cerveau. Je crois que je vais vomir. J'arrive pas à me rappeler... comment je suis arrivé là. Vous avez perdu certains souvenirs définitivement. D'autres reviendront. Vous devez rester calme. Votre processeur neural est déjà surchargé. Toute réponse au stress supplémentaire ne fera qu'empirer les choses. Je suis toujours V. Je suis mort. Deux fois. Tout est en ordre. Non. Je suis qui ? Veuillez emmener le patient. Bah. Et on met nous là. Bloc-notes. Nous ignorons encore s'il y a eu des progrès et si oui, dans quel sens. Retirer les tumeurs n'a pas été chose facile. Mais la véritable difficulté a été d'opérer l'engramme. Venez. Voilà les amis. Le bateau de Thésée, dépouillé de tous ses composants.